Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par Skype, par téléphone quand vous êtes loin. En coaching, 15 jours de suivi par écrit, c'est toujours très intéressant. Par WhatsApp, par mail, par ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une relation avec quelqu'un ou recréer ou maintenir une relation avec quelqu'un qui est en difficulté. Très souvent, je m'aperçois que mes clients ne savent pas faire. Alors, créer un lien à la limite, mais maintenir un lien avec une personne en difficulté quand la relation est mauvaise et dégradée, c'est compliqué. Alors qu'est-ce que c'est, à quel moment la relation est dégradée? C'est souvent quand la personne qui est en face de nous n'est pas bien dans sa vie, qui traverse une crise existentielle par exemple, a des doutes, hein, parce que quand tout va bien pour la personne, quand elle sait où elle va, il n'y a pratiquement pas de soucis. Par contre, en revanche, quand la personne en face de nous a des problèmes de positionnement personnel, ça devient compliqué, hein. Vous savez qu'une crise de vie, on traverse tous plusieurs dans notre vie, on va d'un point à un autre et entre les deux, on est un peu perdu, donc on est agressif, on est autocentré, on cherche des réponses en soi et on ne pense pas beaucoup aux autres. Et si c'est notre enfant ou notre conjoint ou notre patron qui est là-dedans, on se sent visé, on se sent abandonné, on se sent trahi, on sent que c'est injuste et on en souffre alors que c'est juste l'autre qui traverse une crise. C'est comme dans la vie de tous les jours, dans les revues spécialisées, sur YouTube, on ne parle pas de ce phénomène de crise ou très peu. Très mal en tout cas, pour ceux qui en parlent, eh bien on fait des bêtises, hein, on veut faire changer l'autre alors qu'il ne sait pas ce qu'il veut. C'est une période qui est difficile dans la vie et qui a existé depuis l'âge des cavernes. Alors qu'est-ce que c'est travailler avec légèreté? Parce que quand la personne est en crise en face de nous, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est d'être léger pour continuer à créer du lien, à faire fonctionner des groupes de neurones communs ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage commun, être sur la même longueur d'onde. Alors, comme l'autre est en crise, eh bien, on va parler de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, pour maintenir ce lien de connexion neuronale. Alors, j'ai repéré trois types de sujets qui peuvent fonctionner. La première chose, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, notamment dans l'actualité ? Une nouvelle série sur Netflix ? Quelque chose que j'ai vu, quelque chose qui va, un nouveau produit, quelque chose d'actualité. C'est des choses où on ne met pas beaucoup d'affect, on ne parle pas d'un grand drame ou quelque chose comme ça, mais qui va permettre d'échanger, de partager, de donner des informations. La personne en face de vous aura sûrement soit des interrogations parce qu'elle ne connaît pas, soit elle va vous apporter des précisions, et donc on va parler d'un même sujet et être d'accord. Donc le premier type de sujet que l'on peut avoir, c'est quelque chose de nouveau. Le deuxième type de sujet, c'est les comparaisons. Alors vous savez, il y a des types de comparaisons, c'était mieux avant, mais il y a aussi plein de comparaisons en disant maintenant on fonctionne avec des Uber par exemple et plus forcément des taxis, et on va raconter une anecdote par rapport à la comparaison entre un Uber et un taxi, entre le fait que maintenant on n'a plus besoin forcément de mettre son code de carte bleue quand on fait un achat, donc avant il fallait le faire, donc il fallait chercher son code qu'on oublie, etc. Donc on peut créer des anecdotes, des choses comme ça par rapport à une comparaison qui existait avant, ou une comparaison avec d'autres peuples, d'autres personnes, d'autres âges, avec des différentes générations, etc., avec le voisin, avec les hommes, avec les femmes. Donc ces comparaisons vont faire que, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup d'affect dessus, hein, si vous êtes en conflit avec votre patron, ne parlez pas trop de relations patron-salarié, si vous êtes en difficulté avec votre conjoint, ne parlez pas trop de relations homme-femme. Mais des comparaisons plutôt légères vont vous permettre d'avancer et de créer l'allumage des mêmes zones du cerveau, hein, des mêmes groupes de neurones, et cela crée du lien. Ça, c'était la deuxième partie. La troisième partie, c'est raconter quelque chose que l'on a acquis. Ou qu'un voisin a acquis, ou qu'on a acquis au boulot une nouvelle machine, ou je ne sais quoi. Et là, on va pouvoir employer le qui, quand, comment, pourquoi, quoi, où on va pouvoir décrire ce bien qu'on a acheté, cette paire de chaussures, raconter comment on l'a eu, les galères de la poste si on l'a commandé sur Internet, les qualités de ce nouvel ordinateur qu'on a acheté. Quelque chose de nouveau, hein, alors ça rejoint un petit peu le premier point qui est
parler de quelque chose d'actualité, quelque chose qui vient d'arriver, quelque chose que l'on ne connaissait pas, hein, donc pour échanger là-dessus. Là, c'est sur quelque chose qui est un peu plus propre à moi, à mon entreprise, à mon voisin, à ma femme, à mon mari, à mes enfants. Et on va pouvoir donner du détail et de parler de quelque chose, donc d'un bien, d'un service, de quelque chose comme ça, d'une maison, d'une voiture, tout ce qu'on peut imaginer, et qui va permettre d'échanger, de donner des points de vue, et donc, encore une fois, de créer les mêmes liens neuronaux. Quand deux personnes sont en difficulté, celui qui lui n'est pas en crise a du mal à trouver ces sujets-là, parce que comme il se sent abandonné, trahi, etc., il a du mal à trouver des sujets parce qu'il croit que ça va toujours mal se passer. Mais ça se passe mal parce qu'on parle souvent de sujets qui fâchent et l'autre n'est pas à même actuellement de comprendre ce genre de choses. Donc on reste sur la légèreté pour garder le lien, de façon que lorsque la personne sort de son problème, de sa problématique, de ses angoisses, de sa crise, eh bien on puisse retrouver la même discussion qu'avant. Alors il y a ce facteur temps qui est très très pénible pour des personnes, notamment dans des couples, quand une personne, l'un des deux est en crise, souvent l'autre ne supporte pas, il peut attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais si c'est plus long, il va exploser, il va dire des choses, des interdits comme on dit, et l'autre va accélérer son départ, puisqu'il va dire effectivement c'est bien à cause de l'autre que je suis en crise, alors que c'est pas du tout le cas. L'autre n'a pas changé peu changé en tout cas, hein. On l'a aimé comme ça pendant 5 ans, 10 ans, son patron c'est pareil, son collaborateur ne change pas. Si je suis mal à l'aise, si j'arrive pas à vendre, je ne sais pas quoi, c'est parce que je vais pas bien, c'est pas parce que l'autre a tout d'un coup devenu autre. Donc si vous effectivement vous faites des interdits face à quelqu'un qui est en crise, il va dire ben, j'ai bien raison de vouloir être comme ça, parce que si je suis mal à l'aise dans ma vie, c'est à cause de mon patron, de mon conjoint, etc. Voilà, donc la légèreté, c'est quelque chose qui permet de se sauver, de créer du lien. Hein. C'est avec une personne que vous ne connaissez pas, vous allez parler de tout ou de rien, hein, de comparaison, de quelque chose que vous avez acheté, de nouveautés, d'actualités, etc. Et là, vous allez créer des liens et vous allez pouvoir aller ensuite plus loin. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, mettez un pouce en l'air. YouTube va se charger, ou toute plateforme sur laquelle vous verrez cette vidéo, va se charger de la pousser vers d'autres personnes, de la proposer à d'autres personnes. Et donc ça, c'est votre côté généreux. Donc proposer, aider d'autres personnes, proposer, offrir cette vidéo, peut-être que ça peut intéresser des personnes. Il suffit de mettre un pouce en l'air. Là, vous pouvez déjà la proposer, bien sûr, directement, la partager avec des personnes. Vous savez, vous, que ça peut l'intéresser. Mettez aussi un abonnement, hein, mettez la petite cloche de notification, comme ça vous aurez droit à mes posts quotidiens réservés à mes abonnés. Vous savez qu'on est une communauté positive, bienveillante, et donc posez vos questions, vos commentaires, vos témoignages, ça nous fait grandir, ça fait grandir tous les acteurs de cette communauté, et ensemble, on est plus fort. Voilà, c'était Bruno Marchal, et je vous dis à très bientôt.